الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا اليوم هو اليوم السابع من شهر صفر عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس السادس والثلاثين من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 29 novembre 2014 et ceci est le 36e cours de l'étude du livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, les chapitres dans la vie du messager. Nous avons parlé de l'expédition de l'Hunayn. Tahaddathna an Ghazwati Hunayn. Cette expédition qui a eu lieu peu de temps après la conquête de Mecca et qui avait pour but d'éradiquer les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala qui avaient comploté pour venir combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette expédition, les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam ont vu leur nombre tellement grand, ils étaient 12 000, qu'un d'entre eux a dit « La nourlaba al-yawma min qilla » Aujourd'hui, on ne sera pas vaincu par minorité, ou bien par le fait que nous sommes une minorité. C'est-à-dire qu'il a été épaté par le grand nombre des compagnons. Il a donc prononcé cette parole, suite à laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé les croyants en leur donnant cette éducation qui est que on ne réussit pas par le nombre, ni par la force. On réussit par le tawhid et l'aqida, avant toute chose. Puis, les compagnons ont voulu attaquer les gens, les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui se sont réunis pour combattre les compagnons, radiyallahu anhum, et les tuer. Nous avons dit qu'ils ont comploté et qu'ils ont usé de ruses. Ils sont venus devant les compagnons, radiyallahu anhum, avec une minorité, un groupe peu nombreux. Ils ont provoqué les compagnons et ont pris la fuite. Les compagnons, pensant qu'ils n'étaient pas nombreux, se sont mis à leur trousse. Puis ils les ont amenés au piège, dans un endroit où le nombre des ennemis était tellement grand qu'ils, certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, ont pris la fuite. Beaucoup des compagnons ont pris la fuite. C'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla a révélé le verset « وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا » Et le jour de Hunayn, c'est-à-dire souvenez-vous de ce jour, lorsque vous étiez épatés par votre grand nombre qui ne vous a été d'aucune utilité. Puis, lorsqu'ils ont pris la fuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à son oncle Al-Abbas, qui avait une voix qui portait, d'appeler ces gens-là en leur faisant se rappeler de ce jour où ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en dessous de l'arbre. Quand ils pensaient que Uthman avait été assassiné, ils se sont empressés de serrer la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Nous sommes avec toi, nous combattons à tes côtés et nous nous engageons à cela ». Al-Abbas leur a dit « Ô vous les gens de l'arbre, ô vous les gens qui étiez en dessous de cet arbre, c'est-à-dire ô vous qui avez promis ce jour-là au prophète de le défendre et de le suivre, pourquoi prenez-vous la fuite aujourd'hui ?» Lorsque certains compagnons ont entendu cet appel avec ce souvenir, ils ont fait demi-tour et sont revenus pour combattre aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et seulement 100 parmi eux étaient présents. Et la plupart des autres n'étaient pas revenus. Encore une fois, pour dire que le nombre n'est pas ce qui fait la victoire. Au début, ils étaient 12 000, ils n'ont pas vaincu. Puis quand ils étaient 100, ils ont vaincu, subhanallah. Donc, par la suite, ils ont réussi, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, à vaincre l'ennemi. L'ennemi a pris la fuite en plusieurs groupes qui se sont dispersés. Parmi ces groupes, celui des Hawazin, dont le chef est Malik ibn Auf al-Nasri,
qui est à la base de ce complot contre les musulmans et qui maintenant prend la fuite. Où est-ce qu'il se sauve ? À Taïf. Il prend la direction de Taïf pour s'y abriter car il y avait des citadelles, des forteresses où on pouvait s'abriter pour se protéger de l'ennemi. Et lui, par la suite, il va se convertir à l'islam, alhamdulillah, et il va rejoindre le nombre des compagnons, des sahaba, radiyallahu anhum. Donc, après cette victoire, du moins cette perte infligée au peuple de, qui était présent à Hunayn, Al-Hawazin, ou ce groupe de Hawazin, accompagné de leur chef, a pris la fuite en direction de Taif, et c'est pourquoi les historiens ont cité dans le chapitre de la vie du messager, alayhi salatu wassalam, cette expédition de Taif. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas pensé à se reposer, ni à s'asseoir. Il fallait en terminer avec ces gens-là et les éradiquer. قال رحمه الله تعالى فصل وأما ملك هوازن وهو مالك بن عوف النصري فإنه حين انهزم جيشه دخل مع ثقيف حصن طائف ورجع صلى الله عليه وسلم من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرهم فقيل 20 ليلة وقيل 10 ليلة عشرة ليلة قال ابن حزم وهو الصحيح بلا شك قلت ما أدري من أين صححه بل كأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لهوازن حين أتوه مسلمين بعد ذلك لقد كنت استأنيت بكم 20 ليلة وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فحاصرناهم 40 يوما يعني ثقيفا فاستعصوا وتمنعوا وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيره وقد خرب صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموالهم الظاهرة وقطع أعنابهم ولم ينل منهم كبير شيء فرجع عنهم فأتى الجعرانة. L'expédition de Taif. Quant au début de la tribu, quant au chef de la tribu de Hawazin, Malik ibn Auf al-Nasri, devant la déroute de son armée, c'est-à-dire le jour de Hunayn, il se réfugia avec Thaqif dans leur forteresse de Taif. Thaqif est le nom d'une tribu, et cette tribu avait des forteresses, des citadelles, des endroits où il se réfugiait pour se prémunir de l'ennemi dans l'endroit de Taif. De retour de Hunayn, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne regagna pas la Mecque avant d'avoir assiégé les polythéistes à Taïf. Le siège de la ville dura plus de 20 jours selon certains, plus de 10 jours selon d'autres. Selon l'imam Ibn Hazm, nul doute à ce sujet. C'est ce chiffre qui est correct, sans que l'on sache comment il peut être aussi formel. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala cite que l'imam Ibn Hazm rahimahullah est convaincu par l'avis qui dit qu'ils ont assiégé la ville de Taïf pendant plus d'une dizaine de jours. Mais il nous montre qu'il n'est pas convaincu, Ibn Kathir nous montre qu'il n'est pas convaincu par cet avis adopté par Ibn Hazm, rahimahullah. Il se demande comment est-ce qu'il a pu être aussi formel, quelles en sont les preuves. Il semble néanmoins qu'il tire ce chiffre de ses paroles adressées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les Hawazin, lorsque par la suite ces derniers se présenteront à lui en musulmans. Donc il vient de vous donner une information qui est que ces gens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va assiéger finalement vont devenir musulmans. Ils vont se convertir à l'islam et rejoindre les rangs des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et ce jour-là, lorsqu'ils sont venus convertis à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: j'ai attendu votre reddition pendant 20 jours. J'ai attendu votre reddition pendant 20 jours. Donc, pardon, Ibn Hazm rahimahullah a adopté l'avis de ceux qui disent 20 jours.
Par ailleurs, dans les deux recueils authentiques sont rapportées ces paroles d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit: nous les avons alors assiégés 40 jours, durant lesquels ils résistèrent en tuant un certain nombre de musulmans à l'aide notamment de leurs flèches. Qu'ici on nous parle de 40 jours. Anas ibn Malik faisait ici allusion aux hommes de Thaqif. Il faisait allusion aux hommes de Thaqif qui sont ceux qui s'étaient réfugiés dans les forteresses, dans les citadelles de Taif, et qui ont été rejoints par Malik ibn Auf al-Nasri, accompagné des Hawazin, pour se protéger du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette information, on apprend que le siège a duré 40 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait détruire nombre de leurs biens se trouvant à l'extérieur de leur forteresse et couper leurs vignes, mais sans grand résultat. La Ghazwa, l'expédition militaire de Taif, le prophète y a participé sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu lieu tout de suite après la bataille de Hunayn et elle avait pour but d'en finir avec ses ennemis d'Allah Azza wa Jal, qui de toute façon ne cesseront de ruser contre les musulmans afin de les éradiquer ou de les détruire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni ses compagnons et a pris la direction de Taif. Taif, c'est une ville de la péninsule arabique qui n'est pas très loin de la Mecque. Et d'ailleurs, souvenez-vous que c'est dans cette même ville que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été lorsqu'il subissait des manques de respect ou des nuisances de la part de Quraysh à Mecca, en compagnie de Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. On l'a vu dans les premiers chapitres, il est allé à Taif pensant qu'ils allaient l'accueillir ou qu'il allait y trouver l'hospitalité ou qu'il allait pouvoir s'y installer. Mais quand il est arrivé à Taif sallallahu alayhi wa sallam, que s'est-il passé? Ils ont envoyé les gamins du village lui jeter des pierres pour l'humilier et pour lui dire: va-t'en d'ici, il n'y a ni refuge et ni accueil pour toi. Le prophète alayhi salatu wa sallam a donc quitté Taif complètement déçu. Et en route, Allah tabaraka wa ta'ala lui a envoyé qui? Jibril alayhi salam, en compagnie de l'ange des montagnes. L'ange des montagnes a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: mon Seigneur m'a envoyé vers toi pour suivre tes ordres. Si tu veux, je peux réduire ce peuple en miettes en l'écrasant au milieu de ces deux montagnes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: non, car j'espère qu'il va être issu d'eux au moins un serviteur d'Allah qui adorera Allah seul et sans associé. On voit ici qu'en réalité, les messagers, les prophètes ne sont pas là pour chercher le bas monde, ni pour faire grandir leur nombre, ni pour un intérêt futile de cette vie d'ici-bas. Ils ne sont pas là pour être les maîtres. Ils ne sont pas là à la recherche du pouvoir. Ils ne sont pas là à la recherche de la vengeance. Ils sont là pour passer un message: adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé. Si Allah est adoré seul et sans associé, peu importe qu'on m'insulte, peu importe qu'on porte atteinte à mon honneur, peu importe qu'on me manque de respect, qu'on me fasse du mal, à partir du moment où vous adorez Allah seul et sans associé, on le voit très clairement ici. Malgré les nuisances qu'il a subies de ce peuple qui a envoyé des enfants pour lui lancer des pierres et le chasser de Taif, il aurait pu se venger. C'était une chose qui lui était permise. C'est Allah même, subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé l'ange des montagnes pour lui dire: Allah m'a demandé de te dire ou de te te laisser le choix, et si tu veux, je peux écraser ce peuple au milieu de ces deux montagnes. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a permis ça. Et il lui a envoyé Jibril avec. Et pourtant, le prophète alayhi salatu wa salam
a été bien plus loin que ça. Il a dit non, car je souhaite d'Allah Azza wa Jal qu'il sera issu ou que va être issu de la descendance de ces gens-là au moins un homme qui n'adora qu'Allah seul et sans associé. Donc ça c'est le but du prêche des prophètes et de leur appel. Ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne se soucient pas d'autre chose que ça. Du moins, leur souci le plus important est concentré dans ce but. L'appel à l'unicité d'Allah, l'appel au tawhid. Non, je ne veux pas me venger, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas me défendre. J'espère qu'ils vont avoir au moins un enfant qui va dire la ilaha illallah et qui n'adorera qu'Allah seul et sans associé. Et peut-être que si je me venge et me défends, eh bien, il n'y aura pas d'enfant qui va venir puisque ces peuples vont être écrasés au milieu de ces deux montagnes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient maintenant à Taif en tant que vainqueur et non pas en tant que vaincu. Il assiège cette ville de Taif où les jeunes enfants lui avaient lancé des pierres pour lui dire « Va-t'en, sois refoulé d'ici, éloigne-toi de chez nous. » Regardez, avec sa patience, alayhi salatu wassalam, et par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, il revient à Taif et c'est lui maintenant qui est autour de cette ville et qui inflige la peur aux ennemis. Si bien que les ennemis se réfugient dans leur forteresse et n'en sortent pas tellement ils sont terrifiés et paniqués. Walhamdulillahi rabbil alamin. La promesse d'Allah azza wa jal est véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Taif par le sud. Il y est arrivé par le sud car à l'époque, c'était le moyen le plus facile d'accéder à Taif. Alors que si on venait à Taif par le nord de cette ville, la route était bien trop contraignante pour pouvoir y arriver, contrairement à l'époque dans laquelle nous vivons, où des travaux ont été faits et la route de Taif vers le nord est devenue très facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc allé à Taif. Il a encerclé ces gens-là. Que s'est-il passé durant ce siège? De l'autre côté, les ennemis d'Allah azza wa jal lançaient des flèches, des lances sur les musulmans, sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un point où certains parmi les compagnons ont été touchés par justement ces flèches. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué Allah azza wa jal et a dit « Allahumma hdi thaqifan »« Oh Allah, guide le peuple de Thaqif. » Qui est le peuple de Thaqif? Celui qui est dans la forteresse et qui de l'autre côté attaque les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cherche pas la vengeance, ni la dunya, ni à être le chef des gens ou à avoir un groupe suivi. Il cherche à ce que l'on adore Allah Azza wa Jal. C'est la chose la plus importante. C'est son souci premier et primordial. Il demande donc à Allah Tabaraka wa Ta'ala de guider ces gens-là à l'islam. Et par la suite, vous allez le voir inshallah dans les prochains chapitres, Allah va exaucer son prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'ils vont devenir musulmans. Ils viendront avec une délégation prononcer l'attestation de foi qui fera d'eux des croyants, alhamdulillah. À ce passage, le Cheikh Abdel Razak ibn Abdel Mohsen al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, dit: on voit ici l'importance d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en la faveur de l'opposant lorsqu'on souhaite l'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsque tu vois quelqu'un qui s'oppose à la vérité, que ce soit un mécréant ou bien un musulman qui innove dans la religion d'Allah Azza wa Jal, et que tu veux appeler justement à la vérité, à l'islam ou bien à la sunna, le sortir du péché vers l'obéissance, il faut prêcher, prodiguer le conseil, mais aussi invoquer Allah Azza wa Jal qu'il ouvre son cœur à ce conseil. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelle à l'islam, les assiège
il ne les assiège en réalité que pour les appeler à l'islam. Et en plus, il dit « Allahumma hdi thaqifan »« Oh Allah, guide thaqif » Walhamdulillahi rabbil alamin. Puis, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait détruit justement des biens que possédait ce peuple, avait fait détruire nombre de leurs biens se trouvant à l'extérieur de leur forteresse et couper leurs vignes, mais sans grand résultat. Donc, pour infliger la terreur à l'ennemi, pour les affaiblir moralement aussi, le prophète alayhi salatu wassalam détruit leurs biens. Et donc les savants ont dit qu'il existe des situations où détruire les biens n'est pas considéré comme le gâchis qui est blâmé par Allah dans le Coran. Et vous le trouvez aussi dans Surat Al-Kahf, par exemple. Dans Surat Al-Kahf, il y a une histoire où on apprend que des gens cassaient, ou pardon, que Al-Khadir a cassé le bateau quelque peu de certaines personnes, afin que le roi qui saisissait les bateaux des gens injustement dise « Ce bateau est cassé, je ne le prends pas ». Il a donc cassé une partie pour préserver le reste. Et on voit cela dans d'autres passages aussi, notamment dans la bataille de Banu Nadir, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a découpé leur palmier. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. Ce que vous avez découpé comme palmier ou avez laissé debout, ce n'est que par la permission d'Allah et afin d'humilier les pervers. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a détruit leurs biens afin de leur infliger une défaite morale, tant morale que financière. Il leva donc le camp et se rendit à Al-Di'rana. Al-Di'rana est le nom d'un endroit. On peut l'appeler Di'rana, on peut aussi l'appeler Di'irana. C'est le nom d'un endroit duquel le prophète alayhi salatu wassalam va justement accomplir une umra, comme vous allez le voir. فأتاه وفد هوازن هناك مسلمين وذلك قبل أن يقسم الغنائم فخيرهم صلى الله عليه وسلم بين ذراريهم وبين أموالهم فاختاروا الذرية فقال صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولي بني المطلب فهو لكم وقال المهاجرون والأنصار وما كان لنا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Il nous dit, là se présentèrent à lui des membres de Hawazin venus lui annoncer leur conversion à l'islam, et ce, avant qu'ils ne procèdent au partage du butin. De quel butin est-ce que l'on parle? Celui de Hunayn. Souvenez-vous que lorsque un homme est venu informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, ils sont nombreux, ils se sont réunis à Hunayn, ils ont amené avec eux leurs épouses et leurs biens qu'ils possèdent. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a fait ou a dit? Il a souri et a dit, ceci est le butin des musulmans demain, incha'Allah. Après la bataille de Hunayn, effectivement, toutes ces choses dont vous avez dont on a parlé ont été le butin des compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas encore partagé le butin avec les compagnons combattants. Il est allé à Taif, il a assiégé cette ville et n'a pas réussi pour autant à rattraper ces personnes. Puis il s'est dirigé vers l'endroit nommé Di'rana et il y a fait halte. C'est à ce moment-là que les gens de Hawazin, qui étaient réfugiés dans les citadelles de Taif, sont revenus. Ils ont quitté leur citadelle, sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur dire, ô messager d'Allah, nous adhérons à l'islam, nous acceptons ta religion. Et c'est clair qu'au bout d'un moment, la vérité devient tellement éclatante que seul quelqu'un qui a complètement perdu la totalité de sa raison ne peut refuser la vérité.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a toujours mis la baraka, la bénédiction, la lumière dans la vérité. Combien sont ceux qui étaient égarés, que ce soit parmi les mécréants et qui faisaient partie des pires ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils dénigraient la religion. Ils obstruaient le chemin d'Allah azza wa jalla. Ils s'opposaient à toute personne qui embrassait l'islam. Ils détestaient l'islam et en étaient les pires ennemis. Mais quand la vérité leur est parvenue dans toute sa clarté, la vérité est tellement forte qu'elle détruit tout l'orgueil présent dans le cœur de l'orgueilleux. Combien parmi les gens étaient dans l'innovation, dans la bid'a, dans toutes ces sectes innovées et égarées? Et ces personnes ont vécu des années en ennemis de la sunna, en ennemis du prêche des gens de la sunna et de la da'wah des pieux prédécesseurs. Et un jour, quand la vérité leur a été démontrée clairement, Allah Azza wa Jal a dit: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'y a-t-il d'autre après la vérité, si ce n'est l'égarement? Ils ont vu la vérité claire de leurs yeux et l'ont suivie par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et ce fut le cas pour cette tribu et ces gens de Hawazin qui sont venus rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit d'Irana pour adhérer à l'islam. Walhamdulillah, et la louange tout entière revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils sont arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète n'avait pas encore procédé au partage des biens. Mais ces gens-là qui viennent, qui sont-ils à la base? Ils sont justement les gens qui avant étaient les possesseurs de ce qui est devenu le butin des musulmans. Et maintenant ils sont devenus musulmans. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis lorsqu'ils arrivent au prophète alayhi salatu wassalam? Ils vont réclamer: ô messager d'Allah, rends-nous nos biens. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: il leur laissa donc le choix entre récupérer leurs biens ou leurs enfants. Le butin a été pris avant qu'ils ne soient musulmans. Donc il est devenu la propriété des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son prêche, ne cherche pas la dunya. Il ne cherche pas les bas mondes. Son prêche n'a pas pour but de faire captif des gens ou bien de s'emparer des biens d'autrui ou d'agrandir sa richesse et sa fortune. Non, il veut que les gens adorent Allah tabaraka wa ta'ala. Il veut que les gens disent la ilaha illallah. Il veut que les gens nettoient leur cœur de la saleté, du shirk, du polythéisme. Donc le prophète alayhi salatu wassalam leur laissa donc le choix entre récupérer leurs biens et leurs enfants. Il leur a dit: on n'a pas encore partagé, vous choisissez. Vous pouvez récupérer vos enfants et vous pouvez récupérer vos biens. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Bien évidemment, leurs enfants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors quant à ce qui me revenait de droit ainsi qu'au Bani Muttalib, il vous appartient. Ce qui était pour moi vous appartient. Le prophète ne cherche pas la dunya, il leur donne. Les émigrés et les Ansar dirent alors: ce qui nous revenait de droit appartient au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Eux aussi ne cherchent pas la dunya. Ils ne cherchent qu'à secourir la sunna. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam dit à ces gens: ce que j'avais pris et qui m'était destiné, ainsi qu'à la tribu des Bani al-Muttalib, c'est pour vous, je vous le donne. Les Ansar disent: et nous, ce qui était pour nous, on te le donne au messager d'Allah. Aucun d'entre eux ne cherche le bas monde. Le prophète alayhi salatu wassalam veut secourir la religion d'Allah. Les compagnons radiyallahu anhum veulent secourir la religion et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وقومهما حتى أرضاهما وعوضهما صلى الله عليه وسلم. وأراد العباس بن مرادس السلمي
أن يفعل كفعلهما فلم توافقه بنو سليم بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فردت الذرية على هوازن وكانوا 6,000 فيهم الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة من بني سعد بن بكر بن هوازن وهي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فأكرمها وأعطاها ورجعت إلى بلادها مختارة لذلك وقد كانت هوازن متوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاعتهم إياه. ابن كثير رحمه الله تعالى جي الأقرع ابن حابس c'est le nom d'un personnage ainsi que Uyayna ibn Hisn ainsi que leurs clans respectifs n'acceptèrent pas cette décision si bien que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dut leur offrir une compensation satisfaisante. Ils n'ont pas accepté cette décision de reprendre les enfants et laisser les biens. Ils se sont enflés d'orgueil devant cette décision et ne l'ont pas acceptée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur offrir des choses et va leur donner ce qui est appelé une compensation satisfaisante. Al-Abbas ibn Mirdas al-Sulami, voulait alors obtenir la même chose qu'eux, mais les Bani Sulaym s'y opposèrent, préférant au contraire abandonner gracieusement leur part du butin au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leurs enfants, au nombre de 6,000, furent donc rendus aux Hawazin. Donc on voit qu'ils n'étaient pas tous d'accord concernant justement cette décision qui a été prise par rapport au fait de récupérer ou non seulement les enfants et en faisant abstraction à la récupération de l'argent, etc. Quoi qu'il en soit, à la fin, ce qui a été conclu, c'est de rendre les enfants. Ils étaient plus de 6,000. Ils ont été rendus à leur famille. Walhamdulillah. Furent donc rendus aux Hawazin. Parmi ses enfants se trouvait la sœur de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Shayma, la fille de Al-Harith, fils de Abd al-Uzza, du clan des Bani Sa'd ibn Bakr, de la tribu des Hawazin. Elle a effectivement été la sœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'elle a bu le même lait bu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'honora et lui fit des dons. Elle choisit alors de regagner son pays. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a donné ces choses-là qu'elle a souhaité prendre et lui a laissé le choix. Soit tu restes avec nous, soit tu regagnes l'endroit que tu souhaites rejoindre. Elle a regagné son pays. Pour avoir été allaitée par l'une des leurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait des liens de parenté avec la tribu de Hawazin. La tribu de Hawazin, qui va être assiégée par le prophète, alayhi salatu wassalam, avait un lien, car le prophète avait bu du sein d'une femme de ce clan. Donc il avait un lien de proximité avec eux. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répartit ce qu'il restait du butin de la bataille de Hunayn entre les musulmans. Lors du partage, il favorisa certains notables de la tribu de Quraysh, notamment, afin de gagner leur cœur à l'islam. Ainsi, il accorda à certains 100 chameaux et d'autres 50. ثم قسم صلى الله عليه وسلم بقيته على المسلمين وتألف جماعة من سادات قريش وغيرهم فجعل يعطي الرجل 100 بعير والخمسين ونحو ذلك. On voit ici que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il va partager le butin, ne va pas regarder le besoin des gens et donner à chacun en fonction du besoin qu'il a. Mais il va regarder quelque chose qu'il va juger bien plus important. Il va regarder le besoin d'attirer certaines personnes à l'islam. Et c'est pour cela qu'il va donner à certains mécréants plus qu'il ne va donner à des musulmans. Plus encore, il va donner à certains
mécréants des choses dont ils n'ont pas forcément besoin, alors que certains de ses compagnons sont dans la nécessité la plus grande, il ne va pas leur donner, ou il va leur donner que très peu. Pourquoi ? Car le but ici est d'agrandir le nombre des musulmans et de ceux qui disent « La ilaha illallah ». Encore une fois, on voit que ce qui est important à ses yeux n'est pas le bien de ce bas monde, mais la guider à l'islam. Et donc, c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي صحيح مسلم عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ صفوان بن أمية 300 من الإبل. مسلم rapporte dans son recueil authentique d'après l'imam al-Zuhri que le messager صلى الله عليه وسلم donna ce jour-là 300 chameaux à Safwan ibn أمية. Qui est Safwan ibn أمية? C'est cet homme à qui le prophète عليه الصلاة والسلام a accordé un délai de 4 mois. Il avait pris la fuite après la conquête de la Mecque. Son ami est allé le chercher et lui a dit « Reviens ». Le prophète alayhi salatu wasalam, lui a dit « Je t'accorde 4 mois. Regarde bien le message de l'islam et vois comment vivent et pratiquent les musulmans. » Pendant ce délai de 4 mois, le prophète alayhi salatu wasalam, va lui donner justement 300 chameaux pour attirer son cœur à l'islam. Al-Bukhari rahimahullah rapporte justement que cet homme-là, Safwan ibn Umayyah radiyallahu anhu, a dit au début, je détestais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a commencé à me donner, je le détestais. Puis, il m'a tellement donné, vous imaginez un peu 300 chameaux, il m'a tellement donné, le prophète ne s'arrêtait pas, il donnait. Voici un chameau, je te donne un deuxième, voici un troisième, voici 20 encore, voici 50 encore, voici 100 encore. Il dit, le prophète n'a cessé de me donner jusqu'à ce que mon amour n'a fait que grandir pour lui. Il s'est dit, c'est mon ennemi, je le combats, il me donne, et encore. Et encore, et encore. Forcément, si c'était un vrai ennemi, s'il cherchait ce bas monde, s'il cherchait un bien de la vie d'ici-bas, il ne m'aurait pas donné autant. Et d'ailleurs, il y a des versions qui ont été authentifiées dans lesquelles, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à partager, il y avait un nombre de bédouins tellement grand qui s'est réuni autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander « Donne-moi, moi aussi je veux ma part » que le prophète alayhi salatu wa sallam n'arrivait presque plus à bouger tellement il y avait la foule autour de lui et ils se sont resserrés contre lui pour demander sa part, chacun sa part. À un point où le prophète alayhi salatu wa sallam a vu son vêtement, son pagne, Rida, le vêtement que l'on porte au-dessus des épaules, s'accrocher sur la branche de l'arbre et tomber. Et il leur a dit, rendez-moi mon pagne. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit, dans le sens du hadith, que si je possédais tout ce qu'il y a, vraiment dans le sens approximatif, tout ce qu'il y a ici, je vous le donnerais sans aucune limite. Sallallahu alayhi wa sallam. وعتب بعض الأنصار فبلغه فخطبهم وحدهم وامتن عليهم بما كرمهم الله به من الإيمان به وبما أغناهم الله به بعد فقرهم وألف بينهم بعد العداوة التامة فرضوا وطابت أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. Ce partage provoqua la colère de certains Ansar. Et ceux qui ont été en colère ne sont pas les savants d'entre eux, comme l'a dit le Cheikh Abdel Razak, hafidhahullah, mais ils étaient ceux qui étaient débutants dans la science et dans la compréhension de la religion. Car les savants, eux, n'agissent pas, du moins, n'ont pas eu cette réaction. Informé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça devant eux un prêche dans lequel il leur rappela qu'Allah les avait honorés en les gratifiant de la foi en lui
qu'il les avait rendus riches, eux qui vivaient avant cela dans la pauvreté, et qu'il avait uni leur cœur, eux qui auparavant étaient les pires ennemis. Leur colère s'apaisa donc, et ils acceptèrent de bon cœur ces décisions, qu'Allah les agrée. Donc, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance de ces paroles dites par ces gens-là entre eux. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas autant que ces gens-là, alors que nous avons peut-être combattu aux côtés du prophète alayhi salatu wa sallam, secouru la religion, nous sommes pauvres, dans le besoin, eux, ce sont des mécréants et prennent autant. Pourquoi ? Le prophète alayhi salatu wa sallam les a convoqués. Il les a réunis et leur a dit : rappelez-vous avant comment vous étiez. Vous étiez égarés. Allah vous a guidés à l'islam. Vous avez avec vous maintenant le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Eux, nous leur donnons des biens de ce bas monde. Vous, vous avez le messager avec vous alayhi salatu wa sallam. Autrefois, vous étiez dans la pauvreté la plus totale. Mais après toutes ces batailles, vous êtes maintenant, grâce à Allah, dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est mis à leur rappeler un peu tous ces bienfaits et ils ont pleuré tellement ils étaient émus et ont demandé pardon et ont accepté le partage et les décisions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ta'ana dhul khuwaysirah at-tamimi wa smuhu hurquus فيما قيل على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه ذلك وصفح عنه صلى الله عليه وسلم وحلم بعدما قال له بعض الأمراء ألا نضرب عنقه فقال لا ثم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ. Hurquus, surnommé, dit-on, Dhul Khuwaysira al-Tamimi, critiqua alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son partage du butin de la bataille de Hunayn. Mais celui-ci, Man Yamin, lui pardonna. C'est-à-dire que lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam a procédé à ce partage que vous venez d'entendre, cet homme qui s'appelle Dhul Hurquus ou qui est connu sous le nom, sous l'appellation Dhul Khuwaysira, s'est mis devant le messager alayhi salatu wa salam et lui a dit: Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil. Subhanallah. Et c'est lui le premier qui a fait ce qu'on appelle le khuruj ala wali al-amr, le fait de se révolter contre le gouverneur. Et c'est de lui que les Khawarij vont être issus. Il s'est mis devant le messager alayhi salatu wa salam et lui a dit: Ô Muhammad, au lieu de l'appeler au messager d'Allah, un manque de respect. Sois juste, je vois aujourd'hui que tu n'es pas juste. Subhanallah. À qui est-ce qu'il a dit ça? Au plus juste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le manque de raison de cette personne. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit: Waïhak, waïlak, malheur à toi. Man alladhi ya'dil il lam a'dil ana, ou comme قال عليه الصلاه والسلام. Si je suis injuste, qui d'autre que moi sera juste? Et donc, si cet homme dit que le prophète est injuste en sachant qu'il est le messager d'Allah عليه الصلاه والسلام, si le messager d'Allah est injuste, y a-t-il quelqu'un de juste après lui? Non. Donc cet homme-là vient de dire qu'il est injuste, parce qu'il a dit au messager qu'il est injuste. Et le messager est envoyé par Allah. S'il est injuste, plus personne n'est juste. Donc le premier, c'est lui qui vient de parler. Regardez l'ignorance des gens de la bid'a. Et les Khawarij, ils sont exactement comme cela. Ils dénigrent la croyance de Ahl Sunnah, puis ils tombent dans ce qu'ils ont dénigré. Wal'iyadu billahi tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc répondu à cet homme: qui est juste si moi je suis injuste? Et dans une autre variante également, il a dit: hadhihi al-qisma ma urida biha wajha Allah. Il a dit: avec ce partage, il n'a pas cherché le visage d'Allah. Donc pire encore maintenant, il critique
l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit de lui qu'il n'a pas été sincère. Subhanallah. Et Wallah et le Khawarij disent la même chose des savants de la Sunna. Ils disent d'eux qu'ils ne sont pas sincères et que lorsqu'ils émettent des avis juridiques religieux en relation avec ce qui est licite ou illicite, ils le font pour suivre tel et tel gouverneur ou autre encore parmi ces ambiguïtés fausses émises par ces gens-là. Ils suivent dans cela leur maître, Hurqus, et les Khawarij qui n'ont cessé d'exister à travers l'histoire de l'islam. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, a entendu ce compagnon, dans certaines versions, Omar, radiyallahu anhu, qui lui a dit « Ala nadribu unuqah » Il a demandé la permission au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'exécuter, de lui trancher le cou. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait preuve de clémence envers lui et de patience devant cette immense nuisance. Et d'ailleurs, il a dit « يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى فَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرْ » Qu'Allah fasse miséricorde à Moussa. Il a été, on lui a porté atteinte plus que ça, et il a patienté. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit à Omar, laisse-le. Puis il a dit cette parole, de la descendance de cet homme sortiront des gens qui réciteront le Coran sans que celui-ci ne dépasse leur gorge pour atteindre leur... sans que celui-ci ne dépasse leur gorge. Ou que vous les trouviez, tuez-les, car il y aura une récompense pour celui qui les tuera. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre la secte des Khawarij. Le mot Khawarij est le pluriel de Khariji. Khariji, à la base, vient du verbe kharaja, sortir. Ces gens-là ont été appelés Khawarij, les sorteurs, car ils ont comme plus grande caractéristique la sortie pour se révolter contre leur gouverneur, wal'iyadu billah, qui n'ont pas commis un péché engendrant la sortie de l'islam. Et donc, ils sortent contre eux et se révoltent, wal'iyadu billah. Également, ils rendent mécréants les musulmans pour les grands péchés et pour des choses qui ne méritent pas la mécréance majeure. Également, ils ont ces ambiguïtés aujourd'hui autour de les manifestations ou de la révolte ou bien de la sortie contre ceux qui détiennent le commandement et toutes ces choses-là. Al-Sheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit « Celui qui a une caractéristique des Khawarij est un Khariji, il en fait partie. » Car certains disent « Pourquoi dites-vous que nous sommes Khawarij alors que nous n'excommunions pas les gens qui commettent des grands péchés ?» C'est-à-dire on ne les accuse pas de mécréance. La réponse, c'est que tu peux être un Khariji si tu es en accord avec un de leurs fondements. Il n'est pas obligatoire que tu sois en accord avec tous leurs fondements. Si tu es en accord avec tous leurs fondements, alors tu seras un Khariji plus grave encore dans l'égarement. Wal'iyadu billah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Les savants de la Sunna ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mis en garde la communauté contre une secte comme il l'a fait pour les Khawarij, en détaillant leurs particularités, en détaillant la voie qu'ils suivent et en montrant leur danger pour la Ummah et leur gravité. À un point où il a dit, d'ailleurs dans ce hadith il dit que ces gens-là vont lire le Coran mais il ne dépassera pas leur gorge, dans une autre version leur clavicule. Et Cheikh Abdel Aziz al-Rajihi, hafidhahullah, l'élève de l'imam Ibn Baz, a expliqué ce hadith et a dit, c'est-à-dire que vous savez que lorsque l'on fait des bonnes actions, elles sont élevées chez Allah, n'est-ce pas? Afin d'être acceptées, elles sont élevées pour être présentées à Allah. Eux, leurs actions ne dépasseront pas leur clavicule. Elles ne seront pas élevées chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si pourtant ce sont des bonnes actions. Mais à cause de quoi? Quelle est cette barrière? La bid'a, l'innovation qu'ils ont commise. Le manhaj fasid, la méthodologie erronée qu'ils ont décidé de suivre, qui va devenir pour eux en réalité un cadenas, qui va enfermer leurs bonnes actions qu'ils font. Elles ne seront pas acceptées d'Allah, tabaraka wa ta'ala.
Il dit aussi, « Où que vous les trouviez, tuez-les, car il y aura une récompense pour celui qui les tuera. » Il s'adresse ici au gouverneur des musulmans, à ceux qui détiennent le commandement, et ne s'adresse pas au commun des musulmans. Donc à la base, les khawarij doivent être combattus. Ils doivent être combattus car leur mal est très dangereux pour la communauté. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tahqiruna salatakum inda salatihim wa qira'atakum inda qira'atihim » Vous mépriserez votre prière devant la leur, votre récitation devant la leur. C'est-à-dire que quand vous allez voir comment est-ce qu'ils lisent le Coran, comment est-ce qu'ils prient, comment est-ce qu'ils sont dévoués, ils jeûnent, ils prient, ils font des aumônes, ils donnent, ils dépensent, vous allez vous sentir faible devant eux. Mais Allah Azza wa Jalla ne les acceptera pas. Pourquoi ? Car ce qui va te faire accepter, c'est la bonne aqidah, c'est la bonne méthodologie, la bonne compréhension que tu as de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et comme ces gens-là sont des innovateurs, ils ne sont pas acceptés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Prenez donc garde aux khawarij, prenez donc garde aux frères musulmans également, qui ont été la cause, n'en déplaise à quiconque, de ces maux qui se sont propagés, wal'iyadu billah, dans la communauté musulmane. Et d'ailleurs, ils ont incité le commun des musulmans à commettre ces maux, à désobéir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, quand le sang a coulé, ils ont dit, regardez ces gouverneurs comment ils sont injustes. Mais c'est toi qui les as incités à sortir. Nous ne sommes pas là pour défendre les injustes. Nous sommes là pour appeler les gens au Coran et à la sunna et à fermer les portes du mal. Nous ne sommes pas là pour agrandir le mal comme vous, vous le faites. Puis vous vous plaignez en faisant croire aux gens que vous n'avez rien à voir dans tout cela. Ensuite, si on regarde les livres que vous prenez comme source et les livres que les khawarij prennent comme source, on va voir que vous lisez les mêmes livres qu'eux. Vous lisez les livres des égarés, des soi-disant penseurs. Ils ont exactement les mêmes livres qu'eux. Plus encore, la plupart de ces gens-là, des khawarij, étaient avant des frères musulmans. Osama ibn Laden, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui était un innovateur égaré et égareur, était un frère musulman avant de basculer dans le rang des khawarij. Et la plupart de ces gens-là étaient des frères musulmans. C'est une réalité. On la lit dans leurs livres, on n'invente rien et on ne fait que transmettre le haq aux musulmans, afin qu'ils prennent garde à tous ces groupes innovés et qu'Allah Azza wa Jal préserve la umma du mal de ces gens-là qui, au lieu d'enseigner aux gens le Coran, la sunna, le tawhid, ils ont enseigné la bid'a, l'égarement et l'opposition à la sunna aux gens. Wal'iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné beaucoup de descriptions de ces gens-là. Puis, lorsque Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumah était sous le califat de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et qu'il existait un grand nombre de khawarij qui s'étaient réunis et qui commençaient à insulter Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le gouverneur de l'époque, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumah a demandé la permission à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu d'aller débattre avec ces gens-là, car lui est un des plus grands savants de la sunna, walhamdulillah. Il fait partie de ceux qui connaissent le plus l'explication du Coran. On l'appelle d'ailleurs Habrul Umma, le scribe, ou bien le grand savant de la Umma, qui est spécialiste du Coran, walhamdulillah. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a été un peu apeuré du fait que Ibn Abbas ne soit exécuté par les Khawarij. Après insistance, Ali a accepté. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a porté les meilleurs vêtements et il est allé dans ce village. C'est lui qui raconte et qui dit: je m'approchais de ce village et j'y entendais des bourdonnements, des sons, des bourdonnements. Puis quand je suis rentré dans le village,
ils étaient tous avec le Coran en train de lire. Et c'était ça les bourdonnements qu'il entendait. Ils avaient tous les traces de la salat sur le front. Il y avait des gens qui priaient, et d'autres qui lisaient le Coran, et d'autres qui invoquaient Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils parlaient d'Allah, azza wa jal. Tout ce qu'a dit le prophète, alayhi salat wa salam. Vous mépriserez votre prière devant la leur, votre lecture devant la leur. C'est exactement ce qu'il a vu. Lorsqu'il est arrivé devant eux, première chose qu'ils lui ont dit, « Oh, Ibn Abbas, que sont ces vêtements que tu portes ?» Parce qu'il portait des beaux vêtements. Lui, il a porté des beaux vêtements pour avoir une belle apparence, pour débattre ce qui est connu des savants de la Sunna. Et eux l'ont méprisé, ils l'ont blâmé. Il fallait qu'il porte des vêtements sales, peut-être, ou bien qui ne sont pas neufs. Et lui, directement, eux lui ont dit, « Hada libasu man la khalaqala. » Tu portes les vêtements de ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà. Et lui leur a dit, Labisaha man huwa afdalu minni wa minkum. Ce vêtement a été porté par celui qui était bien meilleur que moi et vous avec. Le messager alayhi salatu wassalam. Donc il nous a enseigné que lors du débat, on revient à la sunna. Tu critiques, mais moi je reviens à la sunna. Le messager faisait, critique autant que tu veux. Tant que le messager faisait, je fais. Il a débattu avec eux. 2000 se sont repentis à Allah Azza wa Jal et il est revenu à Ali avec 2000 personnes. Quant aux autres, ils les ont combattus et les ont exécutés. Alhamdulillah. Il existe aujourd'hui, chers frères, car le sujet a toute son importance, des prêcheurs qui portent le vêtement de la salafie, de la sunna, et qui en réalité sont soit des ikhwan, des frères musulmans, des khawarij, takfiriyoun, ou bien des gens aux tendances égarées qui cachent ces égarements et ces ambiguïtés. Ils ont des assises où ils propagent leur poison, leur venin. Prenez garde à tous ces gens-là. Prenez garde à tous ces gens-là, que ce soit dans ce pays ou dans tous les pays. Aujourd'hui, dans les pays, que ce soit les pays du Golfe, les pays arabes et tous les pays, dans beaucoup de chaînes où il y a des émissions qui sont proposées et qui ont pour soi-disant but d'éduquer la communauté, en réalité, on leur met du poison dans le cœur. Ils viennent et portent le vêtement du savant alors qu'ils ne sont pas savants. Ils sont égarés et égareurs. Et cela a été vu à travers justement ces nouveaux moyens de communication qui en réalité ont servi à démasquer ces gens-là, comme les tweets et j'en passe. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous mettre en garde contre ces choses-là, ces poisons. Et l'imam Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, a mis en garde la communauté et les jeunes contre ces moyens, Facebook, Twitter et toutes ces choses-là qu'Allah Azza wa Jal m'a préservé d'utiliser. Et j'espère vous aussi. Et donc, ces gens-là utilisent ces moyens de communication et envoient des photos, des paroles, des critiques des savants. Et il existe des gens qui se font passer pour des salafiyoun, des gens de la sunna, qui insultent les savants dans les tweets, comme des gens qui insultent le noble cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, ou bien Abdullah al-Bukhari, ou encore Ubaid al-Jabiri, ou encore d'autres parmi les savants, en disant d'eux que ce sont des égarés, mourdi, wal'iyadu billah. Plus loin encore, ils demandent à Allah de leur découper le dos et de les éradiquer de la surface de la terre, wal'iyadu billah. Prenez donc garde à ces choses-là. Et donc, si on remonte dans le temps, on verra que leur exemple dans cela, c'est Hurqus, qui s'est révolté contre leur gouverneur. Mais le but ici n'est pas de s'étaler dans le sujet, le but est simplement de faire une parenthèse par rapport justement à l'histoire de Dhul-Khuwaysira, qui est le premier qui s'est opposé au messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa sta'amala sallallahu alayhi wa sallam Malik ibn Awfin al-Nasri ala man aslama min qawmih wa kana qad aslama wa hasuna islamuhu wa amtadaha rasulallah صلى الله عليه وسلم في قصيدة ذكرها ابن إسحاق واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة
ودخل مكة فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة وأقام للناس الحج عام إذ عتاب بن أسيد رضي الله عنه فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. Il désigna Malik ibn Auf al-Nasri comme chef des nouveaux convertis de sa tribu. Malik ibn Auf est celui qui était à la base de Hunay. Malik avait lui-même embrassé l'islam pour devenir un bon musulman, au point de composer des vers vantant les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, poème que mentionne Ibn Ishaq. À l'endroit de l'Di'irana, il entra en état de sacralisation afin d'accomplir une umrah. Après avoir accompli sa umrah à la Mecque, il se dirigea vers Médine cette année-là. Attab ibn Asid dirigea le pèlerinage des musulmans. Il fut le premier gouverneur musulman à remplir ce rôle. Et c'est ainsi que s'achève le chapitre concernant l'expédition de Taif. Et l'expédition prochaine sera celle de Tabouk, qui a une grande importance dans la sirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.